Alors évidemment, plus je me filme, plus je m'aperçois que j'ai une tête affreuse. Je vais tenter ma chance chez le coiffeur. Non, ça fait très bien. Très bien. Allez. Il y a 10, hein. 10. C'est 10, hein. Tu pourrais te mettre la couleur, c'est après cette couleur de la couleur. Tu vas bien ? Ouais. Ouais. T'es en vacances ? Il va falloir supporter cette coupe de cheveux pendant encore 3 bonnes grosses semaines. C'est chiant. Là. On arrive à l'épisode 5. Les 4 premiers étaient très simples à faire parce que finalement... C'était des sujets que j'avais en tête depuis longtemps. Il y a des tonnes de choses qui me passionnent dans la vie. Il y a des tonnes de choses que je fais, que j'aurais envie de partager, etc. Simplement, je ne suis pas sûr, en réalité, que ce soit passionnant pour les gens autour. En fait, voilà, aujourd'hui, je suis à un moment où il ne faut pas que j'abandonne, parce que je kiffe faire ça. J'ai envie de continuer à le faire. Mais simplement, où il faut que je me pose la question de « Ok, la difficulté commence à être là, parce que l'évidence a passé. » Comment est-ce que je vais appréhender la difficulté pour réussir à faire quelque chose qui va continuer à être cool? Ça, c'est vraiment une grande question. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bouffer chez des copains. Comme je disais tout à l'heure, je suis en pleine galère sur l'épisode 5, à passer les premiers trucs évidents. Je me retrouve à plus savoir vraiment quoi dire, quoi raconter, comment, etc. Et ce soir, j'ai une grande chance, c'est qu'on a été invité à dîner chez des amis et j'ai montré pour la première fois à des amis les premiers épisodes du vlog. Et j'ai eu droit à un super feedback. Et j'ai demandé à mon pote Franck de venir un petit peu discuter avec moi face caméra. Bon, mon petit Yann, ça va? Attends, ta table, ça, non? Elle est pourrie, cette table, c'est moi. J'ai un pote, en fait, il est venu un jour, il m'a tout déchargé avec un camion. Pourtant, je te promets, c'est un mec qui fait 190 kilos, il a galéré. Et moi, j'étais en train de faire une sieste, je ne l'ai même pas aidé. Foiré. qu'est-ce que tu as pensé, Franck, en voyant cet épisode? Bah, très honnêtement, je trouve que c'est très bien parce que c'est honnête, c'est sincère. Et puis, te connaissant, c'est aussi un petit peu triste parce que tu ne te présentes pas. Tu me disais qu'effectivement, on me voit, sur les premiers épisodes, on me voit voyager. Hein, t'as la belle vie, hein, le TGV, la première classe, tout ça. T'es riche, hein, putain. Non, je sais. Je sais. Parce qu'on va pas dans son appartement parce qu'il est trop petit pour manger. Voilà, exactement. Entre la grande maison de Franck et mon tout petit appartement, c'est vrai qu'on vient toujours ici. Non, mais une fois, je t'ai invité quand même. Bien sûr. On a tous mangé sur un tabouret. De fou. Donc, c'est quoi ton métier en fait? Alors, mon métier, c'est, je suis réalisateur de vidéos corporate. Ok. Donc, moi, je vais vous le dire. En fait, son métier, c'est qu'il a une petite boîte. En Alsace, qu'il a depuis déjà pas mal d'années, et il s'occupe en fait de faire tout ce que vous lui demandez ou tout ce que vous avez envie sur vidéo. Il a une petite boîte qui travaille très très bien. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Ça s'appelle Auguste et Louise. Voilà, puisqu'il me coupe la parole, je n'ai pas le droit de le dire. C'est ça qu'il fait en fait. Voilà, c'est pas un truc de fou, c'est juste qu'il a un groupe de personnes avec qui il s'entoure et il travaille tous les jours à 200%. C'est le premier mec qui m'appelle le matin et ça me saoule parce que moi je suis encore en train de dormir. Mais c'est un vrai bosseur. Et ce que vous voyez en fait dans le premier épisode, c'est pas de la richesse, c'est juste du confort. Et ça, j'aimerais bien qu'il vous l'explique en fait. C'est du confort pour un gros. La vérité, c'est que j'ai jamais considéré que le fait d'être gros devait m'empêcher d'arriver. Ça t'empêchera pas d'arriver, mais c'est quand même une galère pour arriver, ne serait-ce que jusqu'au lit.
Bah, pas, dans le premier épisode, tu galères un peu, non ? Mais si tu savais, arriver au lit, prendre le train, je voyage en première, c'est pas pour me la péter. C'est tout simplement parce que quand je voyage en seconde, voilà. Regardez, je voyage comme ça. Là déjà, j'ai donc, du mal à me mettre là, à côté. Là, c'est voilà. Le mec qui est à côté de moi dans le TGV. Donc voilà, en seconde, ça donne ça. Vous imaginez que ça va pas me plaire longtemps. Voilà. Surtout donc, si le mec, il a fait 10 km avant pour aller jusqu'à son studio et que du coup, bah, là, la chemise, elle est propre, elle est sèche, mais elle va être trempée. Ça va pas m'amuser, moi. Hein, donc résultat, moi, quand je voyage en seconde, en fait, je voyage comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé la première... Quand on s'est rencontrés, je sais même plus comment d'ailleurs, mais on s'en fout. Qu'est-ce que t'as pensé en me voyant? Ah mais moi je suis, enfin, c'est un problème, c'est moi je suis pas très je suis un peu un ours en fait d'abord. Je suis pas trop dans le social, j'aime pas trop non plus les grandes foules où il y a beaucoup de monde, même si mon métier bah, il me fait bosser là-dedans. Parce que j'ai roulé beaucoup en voiture et je travaille aujourd'hui pour une chaîne de télévision et je commente les grands prix de Formule 1. Donc si vous n'êtes pas abonné à Canal+, vous vous abonnez tout de suite. Alors, ouais, j'en profite. Bref, en tous les cas, tu as accepté qu'on se voit, on avait discuté, on avait passé un bon moment. Et tu es quelqu'un de plutôt, je trouvais, honnête, sincère. Et la seule chose qui m'a marqué, c'est que tu ne parles pas de toi, jamais de toi. Tu as toujours parlé de ta boîte, tu as toujours parlé de ce que tu faisais, de ta femme, etc. Mais de toi, pas trop. Et ça a mis très longtemps avant que tu me parles de ton problème de poids. Et moi, ça m'a pas trop choqué en fait, très sincèrement, pour la simple et bonne raison que ça appartient à chacun. Mais oui, très, oui, oui, ça m'a surpris que tu arrives à vivre avec autant de poids qu'en fait. Nadia, pourquoi tu fais ça? Pour quelle raison? En trois mots. En trois mots. Ouais, c'est dur. Hein. En trois raisons. Donc la première truc, c'est que j'ai envie qu'on puisse, j'ai envie de partager, j'ai envie entre guillemets de casser le tabou. De parler clairement de ça. Deuxième raison, c'est parce que, comme tu l'as dit, mon métier, c'est de faire des films et que ben, un vlog, c'est juste un média qui est normal pour moi. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on se connaît, que j'estime qu'on est amis. Et je t'ai jamais entendu parler de ce problème-là. Et si tu dis, toi, à ce niveau-là, que c'est un problème qui est commun, je pense que c'est important de partager et qu'il n'y a pas à avoir honte de ça. Il n'y a pas à en avoir honte. Mais c'est une galère. Hein. Mais tous les jours. Ouais, tu baisses les yeux à chaque fois quand même. Hein. Ouais. En fait, je suis dans un moment... où j'ai toutes les barrières qui font que tu arrives à vivre avec le poids sont tombées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein qui travaillent 18 heures par jour. Mais toi, tu as des barrières. Non, mais ce que je veux dire, pas des barrières physiques, des barrières mentales. Bien sûr, mais qui font que tu survis avec ton poids. Et est-ce que, mais si par exemple, tu travailles pas autant tous les jours? Est-ce que ça serait plus dur? Est-ce que tu serais peut-être déprimé? Est-ce que tu serais en dépression? Est-ce que... Est-ce que c'est un passe-temps, justement, pour oublier de penser à ça? Non, ça, c'est parce qu'en fait, j'ai la niaque, j'aime la vie. Ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir, entre guillemets, péter l'armure. Quelqu'un m'a un jour parlé... T'attends du positif, en fait, de d'une ça. D'une chrysalide. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me dis que... Tu sais, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, j'ai envie d'aider les autres. Mm-hmm, ça t'a toujours été présent. Mais en leur apportant, je commence à faire des conférences, tu sais. Le thème de la conférence, c'est... C'est jamais toi. Non, le thème de la conférence, c'est... Le thème de la conférence, c'est réussir les épreuves de la vie grâce à la confiance créative. Et en fait, j'essaye de dire aux gens, de leur amener quelque chose pour qu'ils puissent reprendre un peu possession de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est un truc. Et aujourd'hui, de faire cette opération et donc de pouvoir maigrir, je fais pas ça pour les meufs. J'en ai une qui est géniale. Je fais ça un peu pour les fringues. C'est vrai que ça va être absolument fabuleux de pouvoir m'acheter des jolies fringues et de pouvoir aller faire du shopping avec toi. Ce que j'espère, en fait, c'est que je vais réussir à aller beaucoup plus loin que ce que je voulais faire. En fait, tu sais, je suis un éternel insatisfait. Mais un jour, en fait, je pense que Franck, si ça vous plaît et si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu sois un invité régulier de ce vlog. Avec grand plaisir. Parce que tout à l'heure, on parlait d'un truc... À une seule condition, c'est que tu montres ton loup licorne. Bon ? T'as un loup licorne. Parce qu'on est fan de tatouage, voilà, on est bien. Hein. C'est l'étoile du Nord avec la fleur de cerise. Vous trouverez vous-même la réponse. Lui, il s'est fait tatouer un loup licorne. Comme quoi le régime est important là. Il faut qu'on y arrive vite. Sauf qu'en fait, je ne me ferai jamais tatouer et que donc c'est un décalcomanie.
mais c'est un loup licorne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des clients, aujourd'hui, je voyais des clients, et j'avais envie de leur montrer que j'étais un mec qui pouvait porter un loup licorne sur le poignet.